Salut à tous les amis, c'est bien, comment allez-vous? Moi je vais super bien, nous on retrouve aujourd'hui sur Far Cry 4 pour notre nouvelle, pour une nouvelle vidéo. Et donc cette fois-ci, je dirais que c'est une vidéo assez spéciale parce que nous allons tester le mode multijoueur ensemble. Donc je fais donc là pendant une minute de propagande et pendant tout le reste, c'est avant-poste. Donc il y a deux équipes, donc, le sentier d'or et une team, un groupe chasseur qui s'appelle Miracle Chassa. Et donc du coup en fait sur le thème du sentier d'or, bon, les classes se font normalement. Vous avez un système de jetons. Qui sont un peu comme votre argent. Et donc oui, voilà, c'est une coupée, c'est parce que j'avais plus de batterie, tout simplement. Ça me fait chier. Donc du coup, quand vous incarnez les Rakshasas, ce qu'on va voir, c'est pas du tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, maintenant, en fait, les Rakshasas, vous avez un arc du chasseur. Vous avez une flèche explosive, trois flèches incendiaires, c'est des flèches normales, vous avez des munitions infinies dessus. Mais j'essaie de carter quelqu'un qui a envie de shoot, hein, j'essaye. Et en fait, quand vous êtes le remplaçant, en fait, on va dire vous êtes les amis des animaux. Tout simplement parce que les animaux, ils vous attaquent pas, mais quand vous leur infligez des dégâts. Voilà, donc tout simplement, donc souvent il y a le corbeau, l'ours et le tigre. Donc le corbeau, c'est au tout début, après je me fais exécuter, je vais humilier, après, je me suis senti humilié. Et donc du coup, alors je n'ai pas totalement compris le truc, mais en gros, vous devez appuyer sur la touche là où il faut s'envoyer la grenade, et donc du coup, bah, à ce moment-là, dès que la graine, on va dire, apparaît, parce que c'est une sorte de graine ou de poudre, et bien tout simplement l'animal que vous avez choisi apparaît, donc le corbeau, l'ours, le tigre, hein, l'animal que vous avez choisi, et cet animal apparaît, et bon, je dirais pas vous protégera et restera à côté de vous, mais déjà éliminera les ennemis. Voilà, tout simplement. Bon, vous n'avez pas du tout un truc d'esquive où vous devez appuyer plusieurs fois sur un bouton. Alors, je vous expliquais un peu les classes sur les sentiers d'or. Donc là, vous voyez que je suis équipé de la P416, qui est mon arme favorite dans Far Cry 3 et Far Cry 4. Et moi, je la trouve assez précise, qu'elle afflige pas mal de dégâts. Voilà, donc là, vous pouvez le voir dans cette humiliation au désert. Et donc, du coup... en fait, avec ce système de jetons, voilà, qui est votre argent, et bien du coup, chaque truc, même si des armes normalement vaudraient cher, tous les trucs vaut un jeton. Voilà, tous les trucs vaut un jeton. Et je trouve ça assez pratique. Bon, vous avez des systèmes d'atouts, hein, vous avez deux atouts que vous devez payer. Mais bon, sur ce genre de chasse, je ne les trouve pas du tout intéressantes. Et dans les rats chasse, bah, vous pouvez échanger les flèches incendiaires. Je sais pas si c'était flèche flash. Donc, quand on tire une flèche, dès que ça attaque par terre, elle explose et ça étourde les ennemis comme si c'était une grenade flash. Et puis il y en a plein d'autres, voilà, il y a flèche poison si je me rappelle bien. C'est déjà ça, hein. Bon, vous avez des atouts que je trouve pas du tout intéressant. Quand vous accroupissez avec les Rakshasa, vous êtes invisible, voilà, vous êtes invisible et on vous voit quand même, et ça c'est le truc là, c'est que moi j'arrive à les voir, les Rakshasa qui sont visibles, moi j'arrive très très bien même à les voir. C'est un truc bizarre. Alors, il y a un truc que vous pouvez pas faire quand vous êtes en équipe sentier d'or.
C'est que quand vous êtes dans les Rakshasa, vous pouvez ramasser des plantes. Donc moi j'ai ramassé que les rouges. Hein. Donc en gros, donc là voilà, petit kilo coup de pied sur les fesses. Hein. Et bien bah, tout simplement, ça vous fera une seringue. Voilà, vous prenez une plante rouge, une seringue rouge. Et donc en gros, les seringues rouges, c'est pour la vitesse, vous courez nettement plus vite. Seringue verte, la santé, et il y a les jaunes, dont je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc il y a quoi ça, donc voilà. Hein. Vous voyez un ours, je vais faire vous êtes dans la merde et autres. Bah non, pas non. Tout simplement pas du tout. Et donc bon bah là j'avais entendu les éléphants crier, donc je me dis merde, c'est un peu la merde. Et oh la corbeau qui vient de passer. Et attention, 3, 2, 1, coucou! Il y a deux éléphants qui essayent de me rentrer dedans et moi par chance j'arrivais à aller sur le toit. C'est vraiment un truc qui m'avait fait rire parce que j'avais eu peur dès que j'avais vu les deux éléphants après que j'ai tiré là. Alors oui, si vous voyez comment je joue plutôt, enfin, si j'ai presque que des silencieux, c'est que moi je suis plutôt, vous voyez, plutôt quelqu'un qui va tuer les personnes silencieusement, même si je suis barbare, même si je suis barbare, là j'ai un peu eu du mal à le dire, mais néanmoins je suis pas marqué sur la carte, voilà, c'est tout simplement ça, c'est bien néanmoins ça le truc quoi. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime à la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir que je vous en serai éternellement reconnaissant. Oula, j'ai roté, désolé. Mais vous avez pas du tout entendu ce que j'ai fait intérieurement. Je crois que j'ai environ pas tout dit sur le Far Cry 4, enfin le multijoueur Far Cry 4, mais bon, c'est pas grave. Donc allez, je vous laisse là-dessus, c'est tout le monde, et blablabla.